Dans certaines rues d'Uzès, il suffit de lever le nez au ciel pour plonger dans l'univers de différents photographes. C'est inhabituel un peu, mais quand même, c'est agréable, ça anime en fait, ça fait une animation. Des photos en général, on les voit dans des galeries, ce qui est bien, mais bon, c'est bien de les mettre in situ, les mettre à l'extérieur et puis que donner à voir à tout le monde en fait. Le Festival des Azimutés se déroule cette année exclusivement en extérieur, un dispositif en réaction au coronavirus. Pour les organisateurs, cette contrainte n'a pas été un frein. Le virus et le confinement sont pris à contre-pied et les ont même inspirés pour les thèmes. Le savoir-vivre ensemble, le respect de la nature, le lien, la biodiversité. Et la chance qu'on a, c'est qu'on travaille depuis plusieurs années maintenant avec des photographes qui ont déjà ça dans leurs images. Et du coup, on a pu développer ces thématiques avec eux. En effet, Thierry Vaison avait déjà été exposé ici. Pour témoigner de la beauté de la nature, ce photographe animalier parcourt parfois le monde, souvent la région. Un travail de passion et de patience. Je voulais absolument avoir des photos de ces vautours dans ce décor sublime des gorges du Tarn. Et donc, je scrutais la météo pendant des années. Et heureusement, j'avais un ami de la LPO, Grand Cos, qui m'a appelé et il m'a dit « Écoute, là, demain, il va neiger, ça va être magnifique, viens. Je suis sûr que ça va être beau. » Et il avait raison. La nature, c'est aussi ce qui anime cet artiste. Avec sa série de collages « Monsieur Panama », elle s'arme, non pas de patience, mais d'humour. Et je me suis dit qu'en partant de quelque chose qui pouvait être drôle et absurde à la fois, ça ne culpabilisait pas, mais ça pouvait malgré tout porter un message. Voilà, là, je me suis appuyée par exemple sur une association qui s'appelle Nous voulons des coquelicots, qui est une association écologiste. En tout, plus de 40 photographes participent au festival cette année, avec chacun leur vision et leur manière de l'exprimer.